Et il en fut ainsi. Il n'y a nulle différence de race pour l'islam. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, comme le blanc n'est pas supérieur au noir. Tous se présenteront égaux devant Dieu. Celui qui saura se mettre au lit, le ventre plein, alors que son prochain aura faim, ne saurait être musulman. Si tu ne souhaites pas pour ton prochain ce que tu souhaites pour toi-même, tu n'as pas la foi. Dieu l'a déjà dit auparavant à Noé, à Moïse, à Jésus, à tous les prophètes, à tous les prophètes. Ô peuple, écoute. Vous descendez tous d'Adam. Que toutes vos querelles soient abolies. Ô peuple, écoute. Les peuples du livre sacré, les juifs avec leur Bible et les chrétiens avec leur testament doivent être respectés par tous, car leur livre sacré leur vient également de Dieu. Aucun musulman croyant ne peut en douter. L'encre de l'érudit est plus sacrée encore que le sang d'un martyr. L'homme qui sait lire est digne de vertu aux yeux du Seigneur. Apprenez l'art de la lecture, et quand vous le connaîtrez, enseignez-le. Ô peuple, écoute. Le mal vient de ceux qui se servent de la religion. Écoute. Ne te laisse pas aveugler par la haine, toi aussi. Vous descendez tous d'Adam. Que toutes vos querelles soient abolies. Ô peuple, écoute. Un jour tu te présenteras devant ton Dieu, et tu devras rendre compte des actes que tu auras commis. Car nul n'a le droit de prétendre détenir la vérité ici-bas. Ô vous tous qui êtes présents, faites parvenir ce message aux absents.